pense qu'au début ça va. Ah, ça va ! Un petit peu raisonné. Mais pour éviter trop de raisonnement, on va vite remplir cette pièce. On va faire ça maintenant. Il y a tout ça à remplir. Ça va pas être facile si le son continue d'être comme ça. Coucou mémé. Sunny June, I heard the birds were singing, but I tossed and turned a feeling I can't explain. J'ai ramené un peu l'essentiel pour l'instant. Ça va être la partie que je préfère. Et je sais qu'il y en a plein qui adorent ça. C'est la partie où on range, mais on découvre ce qu'on a en art et au moins on va pouvoir tout voir. C'est fou d'avoir un espace comme ça. C'est pas, ça m'appartient pas, ça sera pas longtemps, etc. Je vais clairement m'y installer comme si j'allais passer ma vie ici, alors que ce sera pas du tout le cas. Je sais pas combien de temps je vais rester dans cette pièce, mais écoutez, le temps qu'on y reste, on va se faire plaisir. Le plus important, je pense que pour l'instant, ça va être où est-ce que je fous toutes ces plantes. Ça, c'est mes plantes oreilles d'éléphant, je crois, que j'adore, c'est mes préférées. Peut-être les mettre à côté de la peinture, etc., pour avoir comme un mur qui sépare cet endroit-là. Pendant ce temps, ça va, Rune? C'est bon le bois. Tu me donnes. Tell me why you've been on my mind. Won't you stay, just one more night. When you're there, the despair is nowhere to be found, and that's all my life. And I'm well aware that I can't keep you, so I'll dream about you. Blessing from above, what I do to deserve it. The money, the time, and the hurt, and you worth it. And I'll show you my world if you show me yours too. Nothing lasts forever, that's just an excuse. Your name is a drug that I wanna abuse. Shoot up by my side, a tango, it takes two. Baby, baby, it's your name too. So every time I'm falling, I think about you. Tell me why you've been on my mind. When you stay, just one more night. C'est une très vieille peinture que j'avais fait il y a longtemps, j'étais en seconde générale, donc ça commence à dater maintenant. C'est quand je faisais plus de peinture dans ma vie, que je faisais que de la musique, et juste je me suis rappelé que j'adorais la peinture. J'avais acheté une toile et quelques peintures à l'acrylique, je crois, noir et blanc, et j'avais une petite caméra à l'époque, et j'avais filmé un speed painting que j'avais publié sur Facebook et YouTube. Ça avait cartonné. C'est le moment où j'habitais chez mes grands-parents. Je me rappelle en fait ce pourquoi il m'est cher ce tableau, c'est parce que je l'ai offert à mon grand-père. Qu'il avait adoré, et à ce moment-là, qu'il s'était dit qu'il fallait que je continue dans la peinture. Ce tableau, il n'est pas très beau, il me tient cher à mon cœur. Fait penser à mon grand-père, quoi. Parce que cette toile, elle date. C'est une des raisons pourquoi je ne peins plus sur Twitch, c'est que tout ce que je fais sur Twitch en peinture, je suis pas concentrée et je déteste. Du coup, on va recouvrir ça de gesso pour repartir sur de bonnes bases. Donc, comme ça, ça va sécher entre la préparation du truc. On recommence tout bien. Voilà. Merde. En vrai, c'est la première fois que j'en utilise. J'aurais pu le mettre par terre. Mais après, par terre, il y a trop de poussière qui peut tomber dessus. Et là, la poussière, bah, c'est un atelier, donc il va y avoir du bordel. Bon,
que la toile, je la laisse sécher et on va s'attaquer au reste de cette pièce. Ça résonne toujours autant, je suis désolée. Excusez-moi, il y a trop d'auteurs sur le plafond chez moi, ça résonne un petit peu, que voulez-vous? Telle est la vie. J'ai pas aimé, du coup j'ai poncé tout plat maintenant et je vais recouvrir pareil de gesso. Let's go. Madre, madre, creator, yo soy madre, creator. I'm on a high path, yo tengo vision. No estoy pidiendo no one's permission. Nadie me para, pulling from within. Time to take notes, best if you listen. Madre, madre. Je pense que j'ai à peu près rangé comme je souhaitais. J'ai recouvert les deux tableaux que je voulais recouvrir. Je redessine le tableau que je veux faire, le grand carré là. J'aimerais quand même refaire le même design. Mais cette fois-ci, je pense que plutôt partir sur l'imagination, sans référence, etc. On va prendre après, peut-être pas aujourd'hui, mais on va prendre en photo vraiment un œil. I'm lonely, but it's my fault. You say you wanna... Et je suis en train de polir en fait le bord pour que ça devienne tout doux, tout lisse et que ça ne coupe pas, que les pointes ne coupent pas. Donc je suis en train de polir tout ça à la main parce que j'ai pas de machine en fait pour faire ça, donc je le fais à la main. Et comme vous voyez, bah, c'est ma deuxième, donc je suis pas non plus hyper forte. Enfin, je vais voir ce que ça donne, même s'il est un peu brinquimbalant. Et vu que c'est long à faire, je vais le faire étape par étape, petit à petit. Donc ceci n'a pas encore séché. Non, pas encore. Et là, c'est un peu séché, bon, vous voyez. Hein. Et ici, il faut pas s'attendre à ce que ça soit propre et nickel ici. Hein. Rien n'est parfait. On va encore attendre que ça sèche. En fait, je sens que c'est le moment pour moi de m'enfermer en quelque sorte dans ma bulle niveau peinture, art. Parce que ça fait maintenant 2 ans que je suis freelance, que je vis ma boutique, etc. Mais en fait, ça m'a tellement pris la tête au point où je ne faisais que dessiner, mais que du digital. Mais la peinture, en fait, ça a été quelque chose que j'ai mis de côté. J'ai préféré me concentrer sur la boutique, me concentrer sur les créations, les conventions et tout. Twitch. Sauf que là, en fait, j'ai décidé de prendre une autre tournure. Avant, c'était Twitch, boutique, illustration digitale. Maintenant, ça va être peinture, YouTube, musique. Et je vais me concentrer là-dessus. J'ai bientôt ce projet qui sort. Mais en fait, j'arrive pas à prendre du plaisir à faire du montage sur des vidéos de mauvaise qualité. Et dernièrement, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, mon appareil a été défoncé. Là, c'est un nouvel appareil que j'ai. Donc dis-moi si tu as vu la différence, si tu as bien aimé la qualité. Tout ça, dis-moi si t'as bien aimé la qualité
de cet appareil. On va continuer cette petite peinture, ma foi très sympatoche. Actuellement 17h, on se fait une petite session de 40 minutes je pense. Et donc là mon but, ça va être en gros d'équilibrer. Je veux un rendu très laiteux, très doux. Je veux pas partir dans les contrastes, je veux pas partir dans trop de couleurs. On va essayer de jongler tout le temps avec les 2-3 mêmes couleurs. Ça va être une bonne partie de plaisir. Pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I supposed to.